Bonjour, c'est Ken. Alors aujourd'hui, je vous propose une séance all body haut du corps avec les sangles suspension. Donc je vais faire la séance complète, faire l'échauffement, la séance entière, et je vais partir du principe que vous n'avez pas la barre de traction comme si vous avez la sangle suspension accrochée en haut d'une porte, d'accord? C'est-à-dire que je ne vais pas glisser en dessous, d'accord? Je vais mettre mes pieds comme si j'avais les pieds sur une porte. D'accord? Donc je vous invite à faire cette séance avec moi. Donc ça va être une grosse séance haut du corps, pec, dos et bras. Une séance qui va être intense et courte. Ok? On est parti? Donc c'est parti, on va commencer avec les pompes, avec une inclinaison faible. D'accord? Donc l'idée c'est de s'échauffer. Donc on ne cherche pas à te mettre en tension musculairement, on cherche plutôt à comprendre le mouvement et déverrouiller les articulations. Donc plus je vais me mettre parallèle au sol, plus ça va être dur. D'accord? Donc je vais chercher un angle très faible. Vous voyez, là je tire presque debout, je suis légèrement incliné, les bras tendus devant les épaules. Je vais chercher à descendre tout le corps en même temps, épaules, bassin, genoux en même temps. Une erreur qui est courante, c'est ça, les fesses qui restent traînées en arrière. Donc on est bien gainé, je descends doucement, hop, je bloque en bas. Donc j'ai un étirement ici, hein, un étirement tranquillement, je contrôle et je me repousse. Essayez de faire en sorte que la sangle ne touche pas les bras. Si la sangle frotte sur les bras, il n'y a plus aucun intérêt de travailler avec les sangles, parce que les sangles, l'intérêt de travailler avec les sangles, c'est de travailler aussi tous les muscles stabilisateurs des épaules et le gainage. Si on s'appuie sur les bras, les stabilisations des épaules ne travaillent plus. Tous les muscles stabilisateurs n'ont plus aucun rôle, et en plus, c'est très désagréable sur les bras. Donc ici, je m'agrandis, les coudes bas, je descends, vous voyez, les mains au niveau de la poitrine, je rentre le ventre, je m'agrandis bien et je repousse. Ok? Donc là, il n'y a pas de tension, le mouvement doit être très facile. On en fait une bonne dizaine. Okay? Même si c'est facile, vous voulez sentir que ça travaille un peu quand même. Mais vraiment, voilà, on va en faire une dizaine et vous en avez une vingtaine sous le coude. Okay? On n'est pas du tout à l'échec, très loin, on s'échauffe. Encore 4-5. Allez. Faut que ça chauffe un petit peu. Allez, encore deux. Un dernier. Ok. Là, on va venir. Ici, je me mets là pour que vous puissiez me voir. Hop, je vais raccourcir un peu la sangle, sinon vous n'allez pas me voir. Je vais sortir de la caméra. Hop. Donc là, l'opposé pour le dos. Ici, je me penche en arrière. Les jambes tendues ou fléchies, d'accord? Ça dépend si vous glissez ou pas. Si vous glissez un peu, vous pouvez fléchir les pieds, mettre les pieds à plat au sol. Si vous ne glissez pas sur les talons, ce qui est important, c'est que le genou, bassin et épaules restent bien alignés. Donc, on trouve une inclinaison faible. Encore une fois, on est en échauffement. Donc, ne mettez pas une inclinaison trop forte. Ici, je sors la poitrine. D'accord? On commence comme ça le mouvement. Ici, je sors la poitrine, j'abaisse les épaules. Vous voyez, d'abord, j'ai les bras tendus. Je garde toujours les bras tendus. Je sors la poitrine, j'abaisse les épaules. Cherchez à bien me connecter sur le dos, ok, et pas sur d'autres groupes musculaires. Je sors la poitrine, j'abaisse les épaules. Et là, à partir de là, je vais tirer les coudes en arrière. Cherchez pas à aller trop loin avec les mains. Cherchez pas à amener les mains à la poitrine ou aux côtes. Cherchez à sortir la poitrine, tirer les coudes en arrière. D'accord? Comme ça, vous serez sur le dos. Cherchez vraiment pas à amener les mains le plus loin possible. Sinon, c'est le petit pectoral qui va travailler, l'enroulement des épaules et les biceps. Les biceps, on fera après. Ok? Donc là, on est parti. Et on va faire une dizaine ici. Un, on sort bien la poitrine, toujours. J'abaisse les épaules. Deux. Voilà. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Et dix. Ok. On va chercher à avancer un petit peu plus les pieds pour que ce soit un peu plus dur. Ici, hop. Et on va reprendre pour 10. 1, 2, on sort toujours bien la poitrine. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. On va reprendre les pompes. On va aller un peu plus loin. Okay, donc on va reculer un peu plus. Donc idéalement, vous, la sangle, il faut la mettre très longue. D'accord? Vous mettez la sangle très longue, vous la baissez énormément, ce qui vous permettra de bouger. Okay?
Moi, je la mets pas trop longue parce que sinon, je vais sortir du champ de la caméra, je vais me coller au mur, vous n'allez pas me voir, d'accord? Donc, je vais partir les jambes derrière, d'accord? Mais là, comme je vous ai dit, on imagine que j'ai une porte. Normalement, potentiellement, je peux pas. Mais là, allongez un peu votre sangle, ok? Comme ça, vous aurez plus d'amplitude. Là, c'est parti. Donc, je suis pas trop dur, hein. Là, on n'est pas trop dur. Je vais juste chercher un peu plus dur, ok? Allez. On en fait 10. 2. 3. 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, là on va chercher le plus dur possible. Donc on va chercher à mettre le plus bas possible, le plus parallèle au sol possible. D'accord? Moi je mets les pieds sur un support pour me surélever pour que ce soit plus dur. D'accord? Donc vous mettez la sangle plus basse. Vous mettez une chaise contre la porte, vous surélevez un peu vos pieds, hein, ou si vous pouvez, si vous avez une barre, vous mettez sous la barre. Okay? Ici, donc là pareil, on va en faire 10, on sort bien la poitrine, les bras ne touchent pas les sangles, et on monte. 1, 2, 3, ça doit être dur. 4, hein, sans aller à l'échec, mais ça doit être un peu dur. 5, 6, 7, 8, 9, et 10. Ok? Donc je répète, fois la sangle. Quand je suis en bas du mouvement, en haut du mouvement ici, la sangle ne touche pas. Quand je descends tout en bas, la sangle peut s'appuyer. Quand je remonte, la sangle se décolle. Ok? Là, le dos, le rowing en plus dur. Ici. On sort bien la poitrine. Hop, j'y vais. Ok? Donc on va chercher le plus loin possible ici. Allez, c'est parti pour 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. On va avoir deux autres exercices qu'on va incorporer dedans. Pour les pecs, ici, on va venir un peu moins loin. Chaque fois quand on passera de pec à dos, je vous laisserai quelques secondes, histoire, si vous voulez régler un peu la sangle, okay, je mettrai quelques secondes, je mettrai 30 secondes en fait. À la fin des pecs, je mettrai 30 secondes de repos, on fera le dos, je remettrai 30 secondes de repos. Ça vous laissera le temps de réajuster vos sangles à chaque fois. Okay? Donc là pour l'instant toujours en préparation, ici. Donc là je vais ouvrir les bras, les fléchir un petit peu. J'essaie de me mettre face, hein, vous voyez, ils sont légèrement fléchis, les bras pas tendus, pas fléchis, on n'est pas en pompe, légèrement fléchis pour pas bloquer les coudes. Je m'agrandis bien, j'étire, je reviens. Et je reviens, vous voyez, un peu plus que la largeur des épaules, parce qu'ici, il ne se passe plus rien. D'accord? Donc là, j'étire, je fléchis un peu les bras, je reviens et je repars. 2, d'accord, on en fait 10. 3, 4, 5, les épaules bien basses, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, pareil pour le dos, on va attaquer après. Ici, pour le dos, là, je vais chercher à ouvrir le plus possible les bras, les ouvrir et refermer. D'accord? Je prends un petit peu d'élan, je vous montre au ralenti. En fait, ici, je fléchis un petit peu, un poil. Je tends les bras, je sors la poitrine. Ok? Je fléchis un tout petit peu, je ne fais pas de grosse flexion, légèrement fléchi pour m'aider à prendre un peu d'élan. Ok? On en fait 10. Allez. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, et dernière, et 10. Ok. Alors, juste bien. Donc là, on est parti. Donc, je vous explique. On va faire 3 tours, d'accord? On finira après, il y aura une surprise, pec dos, il y aura encore un. Deux exercices, un exercice pec, un exercice dos pour finir.
Là, on va enchaîner ces quatre exercices. On va enchaîner le premier exercice pour les pecs, ça sera l'écarté. D'accord ? L'écarté qui va permettre de bien cibler les pecs. Donc faites attention de ne pas enrouler les épaules. Mettez bien les épaules basses et cherchez à pas trop ramener les mains devant parce qu'avec les sangles, il ne se passe plus rien là. Donc on s'arrête ici. Étirement, d'accord ? On va jouer vraiment sur étirement pour cibler vraiment les pecs. On va additionner tout de suite après, sans la pause, donc 10 répétitions, sans la pause, les pompes. Après, je mets 30 secondes de pause pour que vous puissiez réajuster un peu vos sangles et récupérer un petit peu. On repart la même chose pour le dos, ici, l'oiseau, ok, et le rowing. On reprend 30 secondes de pause et on repart. 3 tours comme ça, d'accord ? On va commencer en buvant un petit coup et on attaque. Donc, buvez régulièrement des petites gorgées. On va attaquer pour les pecs. Ici, vous êtes prêts? On le voit ensemble. Donc, on faut que ce soit dur. Hein. Là, on est échauffé, on est prêt, on se crame. Okay, en plus, juste avant de commencer, si vous êtes un angle qui est trop dur, ça devient trop dur, n'hésitez pas à avancer. Finir votre série en avançant les pieds pour finir la série, que ce soit plus facile. Vous avez de la chance de pouvoir faire du dégressif, entre guillemets, avec les sangles. C'est très facile. Donc, cherchez à faire dur dès le début et avancer pour finir plutôt que faire facile et puis vous dire à la fin, j'ai peut-être plus faire plus dur. Commencez tout de suite en dur avec une bonne posture. Ok ? Et après, on avance. C'est ce qu'il faut rechercher avec les sangles. On est parti pour 10. On va assez loin. Les bras semi-tendus. Hein. On est parti pour 10, tranquillement. On étire bien. On revient. 1, 2, je ne ramène pas les mains côte en côte. Hein. 3, on lâche pas le gainage. 4, 5, 6, essayez de contracter volontairement les pecs. 7, 8, 9, 10. Ok, on va un peu plus loin. On part pour les pompes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, prends 30 secondes. Je vous laisse récupérer un petit peu. Donc les épaules prennent aussi. Hein. Vous allez sentir les pecs et les épaules. C'est difficile de cibler que les pecs là-dessus. Hein. C'est les TRX, les sangles de suspension. C'est un exercice complet hein, pour faire travailler plein de choses. Là, ici, c'est travailler les épaules, les pecs, mais aussi le gainage et les muscles stabilisateurs. On va partir pour le dos. Donc, installez bien votre sangle. Dans 5 secondes. 2, 1. Ok, c'est parti. Ici, l'oiseau. 1. Sors bien la poitrine. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, ouvrez bien, 9, abaissez les épaules, la dernière, 10, ok, le rowing, on avance les pieds, on est parti pour 10, 1, 2, 3, on lâche pas le gainage, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, 30 secondes. Parti. On récupère. Encore deux séries comme ça. Ok. Donc le dos, par contre, c'est beaucoup plus facile à cibler le dos. Enfin, si vous concentrez bien sur les épaules basses et tout ça, on sent plus facilement le dos que pour les pompes. On va sentir surtout les pecs. C'est normal. On est surtout. Mais quand vous faites les mouvements, mais quand je fais l'écarté ou les pecs, des fois j'ai tendance à tourner un peu les mains. Ça m'aide à mieux contracter les pecs. D'accord ? Le fait de tourner la main, je contracte volontairement les pecs, je ressens mieux les pecs. Ici, je suis pas bien. Ici, je suis sur les épaules. Donc je vais pivoter un peu les mains pour augmenter la contraction sur les pecs. Quand je fais écarté et pompe. Ok ? On est parti. On a dépassé 30 secondes. C'est parti, on y va. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, on étire bien,
6, 7, 8, 9 et 10. Ok, les pompes, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. N'hésitez pas à avancer dès que c'est notre dur. 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, 30 secondes, j'essaie de surveiller cette fois-ci le temps. 30 secondes réelles. Ok, là tout à l'heure on a pris plus, 45 secondes, 40 secondes à peu près. Ok, de toute façon, c'est pour faire découvrir la séance. Bon, on fait une bonne séance quand même, hein. 10 secondes près, ça va. On va repartir dans quelques secondes. Dans 5, l'oiseau, 2, 1. Allez, c'est parti, allez. 1, sortez bien la poitrine à chaque fois. Abaissez les épaules, 2, 3, 4, 5, 6. Dès que ça devient trop dur, n'hésitez pas à reculer les pieds. 7, 8, 9, 10. Ok, le rowing, on s'installe, on est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Donc ça glisse un peu. Ouais. N'hésitez pas à avoir une petite gorgée à chaque fois. Une petite gorgée. Une dernière série de ces exercices-là. On finira avec deux exercices encore pour le dos. On s'installe. Et c'est reparti. L'écarté. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, les pompes. 1, 2, 3. Ne négligez pas la posture. 4, on ne lâche pas le gainage. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Le dos. Donc c'est normal, hein, vous sentez les épaules, mais le mouvement de pousser, donc là les épaules parce qu'on est incliné, pousser les épaules qui travaillent, mais je vous rassure, les pecs travaillent aussi. Hein. La dernière série pour le dos, quelques secondes. Allez, 3, 2, 1. Ok, on est parti, l'oiseau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, baissez bien les épaules, 8 en haut du mouvement, 9 et 10. On abaisse bien les épaules quand on finit le mouvement. Allez, c'est parti, le rowing. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. N'hésitez pas à faire des pauses, reculer. 9, 10. Ok. On récupère. Récupère une bonne minute, enfin un peu plus. Je vais vous montrer l'exercice. L'exercice qu'on va faire. Donc la sangle est légèrement basse, en fait, vous voyez, debout, elle arrive au niveau des genoux. Ok, donc là, je vais mettre les pieds dedans, je vous montre, donc je m'assois, je mets les pieds dedans, hop, je pivote,
Là, vous voyez, je peux poser les genoux au sol. Vous devez pouvoir, pouvoir poser les genoux au sol. Hein. D'accord? C'est pour l'option si c'est trop dur. Ici, je vais venir bras écartés, pousser les talons en arrière pour bien installer mon gainage. Je rentre bien le ventre, je descends doucement et je remonte. Ok? On ne lâche pas le gainage. Dès que c'est trop dur, je pose les genoux au sol et je continue avec les genoux au sol. Ok? Ça, c'est l'exercice 1. L'exercice 2, un peu comme l'oiseau, c'est l'Y, on va venir tendre les bras en haut. Donc on va travailler les spinaux, les muscles de la colonne vertébrale, les lombaires, les trapèzes et le haut des épaules. Ici, donc je vous montre, on est là, on va chercher à tirer, s'agrandir et revenir. Donc on est assez souple sur les bras, je monte en deux temps. 1, 2, ok, je vous remonte doucement, on tire les coudes, 1, je pousse les bras vers le ciel, 2, ok. Je tire les coudes en arrière, je pousse les avant-bras vers le ciel et je tends. Ok. On va faire 15 répétitions. 15 répétitions, on les pompe, 3 séries, 15 répétitions de pompe, 15 répétitions Y. Essayez d'ajuster votre sangle, parce que là, je voudrais additionner pompe Y à la suite, sans pause, et mettre que 40 secondes de pause entre chaque exercice, d'accord? L'idée ici, c'est vraiment finir la séance pecdo, d'accord? Ce soit intense. Ok, je remets à jour mon chrono. Ok, on est parti. Donc, on va mettre les pieds ensemble. Ici, je vous montre la version si je suis sur le dos, parce que je ne suis pas l'équipe assis. Là, je mets les pieds dedans, en canard. Je pivote. Hop, je me place sur les genoux. Ok, on est prêt. Les mains écartées pour bien être sur les pecs. Je tends les pieds en arrière et on est parti pour 15. 1, 2, 3, 4, gardez bien les épaules en arrière, 5, 6, 7, 8, lâchez surtout pas le gainage, 9, je rentre à fond le gainage, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ok, on s'installe tout de suite, le Y, c'est parti. 1, 2, 3, on s'agrandit bien, on tend les bras le plus possible au ciel, 4, on rentre le ventre, on serre les fesses, 5, on rentre le ventre et on serre les fesses quand on s'agrandit, 6, là, auto-agrandissement, 7, la sangle est toujours tendue, 8, je garde toujours une tension dans la sangle, toujours, 9, 10, 11, 12, 13, 14, la dernière, 15. Ok, 40 secondes. Le Y, attention de ne pas prendre trop d'élan. On y va par étapes, on s'agrandit bien, on rentre le ventre, on serre les fesses, on s'auto-agrandit le plus possible. Et il n'y a pas de jeu dans la sangle, d'accord? Il n'y a pas de balancement comme ça. Dans 20 secondes, on va repartir. Donc là, on va commencer à s'installer tranquillement. Pas se mettre de pression. Hop. Sur les genoux. Dans 8 secondes. Voilà. 2. 1. Là, c'est parti. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8, 9, 10, encore 5, 11, 12, 13, 14, 15. Ça va être de plus en plus dur, c'est normal. Le Y, hop, allez, c'est parti. On lâche pas le dos. 1, on s'agrandit bien, on rentre le ventre. Très important sur celui-là, pas sur mal au dos. 3, 4, pensez à bien souffler. En haut là, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, encore 3, 13, 14, 15, ok, 40 secondes,
parti pour la dernière série pec dos. Après, on finira par biceps, triceps. Et ça sera bon. Donc là, les biceps et triceps sont déjà bien pré-fatigués. 5 secondes, on s'installe. On s'installe vite et on y va. Allez, c'est la dernière. C'est la dernière. Allez, c'est parti. Parti pour 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Avec la fatigue, lâchez pas le gainage. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Allez, les Grecs. Go avec moi. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, et dernière, 15. Dur. Donc vous avez vu, la sangle, l'avantage qu'il y a avec les sangles, c'est que vous pouvez ajuster vraiment votre niveau. On avance les pieds, on fait des pauses, mais surtout le principe de avancer, reculer les pieds pour que ce soit plus facile ou plus dur. Ok, ce qui est très important au centre de suspension, ce qui est très très important, c'est pouvoir rester toujours concentré sur sa posture. Moi, je vous invite à vous filmer quand vous faites ce genre de séance. Filmez-vous pour voir si votre dos n'est jamais cassé. D'accord? Parce que des fois, on ne se rend pas compte de ce qu'on fait. Le fait de se filmer, ça aide énormément. On va finir par deux exercices, biceps, triceps, qu'on va doubler aussi. Ok, je vous montre. Ici, sur les talons, les bras tendus, faites avec moi doucement. Là, corps droit, je vais chercher à amener les mains au niveau des oreilles. Donc ici, je vous montre qu'il ne faut pas faire ça. Je suis sur les biceps là, mais là je cherche vraiment à travailler le pic du biceps. Donc on va monter les coudes et amener les mains au-dessus des oreilles. Ok, ici, là, on amène les mains au-dessus des oreilles. D'accord? Faites-en 3-4 comme ça, juste pour avoir le mouvement. Ok? Et l'autre exercice, on va regarder l'angle, on va tendre les bras devant, on va chercher à amener les mains au niveau de la poitrine. D'accord? On va laisser les coudes ouverts, on va amener les mains au niveau de la poitrine. En fait, cette partie-là du biceps va travailler différemment. Là, ici, on va être vraiment sur la contraction, là, on va l'étirer un petit peu. On est à peu près sur la même zone du biceps, mais c'est pour aller plus loin sur les biceps avec un angle un peu différent. D'accord? Donc, je vous montre, on fait ensemble. Ici, donc, j'amène les mains à la poitrine, je contracte bien les biceps et je reviens. Là. D'accord? En général, on a un peu plus de force. On a un peu plus de force. On est moins bloqué que là. On a plus de force ici. Ok? Les triceps. Les triceps vont venir ici. Deux exercices. Là, les jambes écartées, bien en gainage. On va fléchir les bras, amener derrière la tête. Je tends les bras, je ramène devant. Vous voyez, devant les yeux. Je fléchis les bras, j'amène derrière la tête, étirement complet sur le triceps et je tends les bras. Ok, on en fait 2-3 ensemble. Ici, je fléchis, je gaine bien et je reviens. Je lâche pas le gainage, jambes écartées pour que ce soit plus facile. Je fléchis et je reviens. Attention, erreur à ne pas faire ici, je cherche à cibler les triceps. C'est trop dur, vous allez avoir tendance à faire ça, à ouvrir les bras. Donc là, c'est les pecs, les petits pectorales. Donc on regarde bien ici, triceps étirés, et je garde, là, je garde l'écartement des coudes du début à la fin. Dernier, alors, vous pouvez mettre deux pieds ici, les bras fléchis, je me penche un petit peu en avant. Là, hop, je tends les bras pour amener les mains dans les poches arrière de mon pantalon. Ok? Les coudes restent collés aux côtes, je fléchis les bras. Côte, colle aux côtes, je tends les bras dans l'alignement des pantalons.
Okay? Je fléchis les bras, les coudes bien en arrière. Je tends les bras pour amener les mains derrière. C'est trop dur, vous pouvez mettre... Là, j'avais les deux pieds devant. C'est trop dur, je suis fatigué. Je mets un pied derrière, pointe de pied derrière pour m'aider un petit peu à la montée. Ici, je tends les bras. Je reviens. Là. D'accord? Donc pareil, 3 séries. 10 répétitions, bras droit, bras gauche. On enchaîne biceps, triceps. 30 secondes de pause. À la fin des triceps, on repart. C'est un petit groupe musculaire, ça récupère plus vite. 3 séries, ça sera largement suffisant. On est prêt? On attaque pour les biceps. Ok, on s'installe. Et c'est parti. 1, on contracte bien au niveau des oreilles. 2, 3, 4, on claque pas les coudes, vous voyez, je tends pas complètement les bras. 5, 6, 7, 8, ne tendez pas les bras, hein, pas complètement. 9, 10, ok, on ouvre les coudes, les mains à la poitrine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, là vous pouvez enrouler un peu les épaules en avant. 7, 8, 9, 10. Ok, triceps, ici, on est parti, on étire bien derrière. Et on retend. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On tend bien les bras devant. 9, 10, de face. Hop, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, encore 4, 7, 8. 9, on tend bien les bras derrière. 10e, 10. 30 secondes. 2 séries encore. Si la première fois que vous faites cela, c'est possible qu'il y a des trucs qui ne sont pas maîtrisés. Il y a peut-être des balanciers des épaules qui sont trop importants. C'est pas grave. Ce qui est important, c'est de le faire. Respectez toujours votre gainage. Vous faites pas mal au dos. On serre le ventre. On contracte bien le ventre toujours. Après, si vous trichez un petit peu dans le mouvement, niveau sécurité, c'est pas très grave. C'est à force de faire, vous allez corriger et maîtriser à 100% vos postures. Ok? On est reparti pour les biceps. Go. Donc ici, on essaie de ne pas bouger les coudes, pas bouger les épaules, je veux dire. 1, 2, 3, 4, 5. Tendez pas les bras complètement, on claque pas les bras. 6, 7, 8, 9, 10. Allez, main au pec. 1, coude ouvert. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dernière, 10, triceps, go, on étire, on contracte, trouvez votre bon placement de jambe, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, face au sangle. Parti. 1, 2. Allez, accrochez-vous. 3. C'est pas tricher avec les coudes. Les coudes, on ne les embarque pas en avant. 4, 5. On les maîtrise. Prends pas trop d'élan en fait sur les bras. 6, 7, 8, 9, dernière, 10, ok. Hein, essayez là, essayez pas de faire de grands mouvements comme ça, prendre de l'élan, d'accord? On peut tricher un petit peu, prendre un petit peu d'élan pour engager le mouvement, parce que contrairement avec les élastiques, le départ du mouvement il est dur, on peut
tricher un tout petit peu, les épaules un peu enroulées, c'est pas grave, là ici, je vais chercher à tendre les bras le plus possible, à amener loin derrière, d'accord? Alors les biceps, surtout les biceps, les épaules un peu enroulées, c'est mieux, il faut bien sortir les biceps. La dernière, on va repartir, on enchaîne vite, c'est parti pour les biceps. Une dernière série, allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, je le répète, claquez pas les coudes, 8, 9, 10, allez, coude ouvert, 1, 2, 3, on amène bien les mains contre l'autre, l'une contre l'autre, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, triceps, les deux derniers exercices. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, deux faces. Parti. 1. Tends bien les bras. 2. 3. Tendez bien les bras derrière. Agrandissez-vous bien. 4. 5. 6. N'hésitez pas à mettre un pied derrière pour vous aider. 7. 8. 2 encore. 9. 10. Ah. Fini, on boit un coup, c'est bon, c'est terminé. Récupérer un peu, secouer les bras. C'est important de faire plusieurs fois la même séance, c'est vrai pour tous les accessoires, avec les élastiques et les sangles de suspension, enfin avec tous les accessoires, c'est vrai en fait, tous les accessoires, c'est vrai pour réussir à cibler au bon endroit. Hein, TRX ou sangle de suspension, TRX c'est la marque, sangle de suspension, hein, c'est difficile de bien cibler. Le dos par exemple, souvent on sent que les biceps, les pecs, on va sentir d'abord que les épaules. Voilà, il faut bien réussir à maîtriser le mouvement pour réussir à cibler vraiment que les pecs, que le dos. Alors que les pecs dans les angles que j'avais, c'est dur, hein, les épaules ont quand même travaillé. Mais l'exercice pour le dos, il est vraiment formidable pour le dos. À partir du moment où vous arrivez bien à comprendre cette histoire de je sors la poitrine et j'amène pas les mains à la poitrine, j'amène bien les mains sous la poitrine, au niveau des côtes, un angle important ouvert. Ok, on va s'étirer tranquillement, je vais monter un peu la sangle. Ok, si vous avez de la place, pas besoin de la monter, hein. C'est juste pour avoir assez de recul. Je monte la sangle, c'est pour être vu à la caméra, c'est que pour ça. Donc vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête, si vous avez beaucoup de place, vous reculez. Là ici, on va étirer le dos, vous allez voir, il est vraiment très agréable celui-là. Donc je recule un petit peu, ici les bras tendus. Là, je pousse les fesses en arrière, doucement. Voilà, je bascule les fesses en arrière, je fléchis un petit peu les jambes et je laisse la tête plantée dans les bras. Voilà. Je laisse tout s'étirer tranquillement, sans forcer. Je suis à l'aise, je pivote la tête et le corps d'un côté. Donc j'ai une jambe qui se tend, une jambe qui se fléchit. Là, je vous regarde. Je pivote de l'autre côté. La jambe droite qui se fléchit, parce que je pivote sur mon côté gauche. Ok, et je reviens. Ok. Là pour les pecs, donc la sangle, finalement faut pas qu'elle soit trop haute parce que sinon ça va être dur. Ici, main ouverte, je vais amener une jambe devant, je vais sortir la poitrine, je vais amener, avancer doucement, j'étire tout doucement, je force pas du tout. Je reviens, pareil en haut, ici, je rentre bien le ventre, je fais attention pas que mon dos se casse pas, je mets une jambe devant, je rentre le ventre et je pousse la poitrine un petit peu en avant, vous voyez, bras fléchi ou bras un peu tendu. Je reviens. Voilà. Et ça sera bon pour aujourd'hui. Ok, les étirements après une séance, toujours très rapide, court et rapide. Ok, c'est bon pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que cette séance vous a plu. N'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires ce que vous avez, si vous avez aimé ou non. Je pense vous faire la même chose pour les jambes. Je vous ferai une séance jambes avec sangle de suspension.
Voilà, où j'ai fait pas mal de vidéos avec les sangles. Si ça vous intéresse, dites-le moi, hein, je vous en ferai d'autres. La sangle, c'est la jambe, je vais la faire pour que ce soit complet. Voilà, encore une fois, si vous voulez un peu plus loin, si vous êtes intéressé par différents programmes avec élastique et sangle de suspension, j'utilise beaucoup les sangles de suspension, j'ai aussi PDF avec sangle de suspension, si vous voulez des programmes complets, je vous invite à aller voir tous mes programmes en cliquant juste ici, vous trouverez le programme qui vous correspond pour atteindre votre objectif. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !